embarque de la commune de La Réole. Donc nous sommes sur le marché de La Réole, sur les quais de la Garonne. Et nous avons donc la caravane de la France Insoumise, qui est ici à La Réole. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la marche pour le climat au niveau national. Il y a donc des marches dans tout le pays. Et nous faisons la marche sur le marché. Donc, c'est pour essayer de limiter la catastrophe écologique. Donc, on essaie, à travers notre action, de faire prendre conscience aux gens, au niveau local, de tout ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, à la base, pour essayer de limiter la catastrophe écologique. Donc, on a pris des thèmes locaux, hein, pour être plus près des gens, notamment le thème de la santé. Donc sur la santé, on a des problèmes, nous, au niveau de la commune et même au niveau du Sud-Gironde, puisqu'ils veulent supprimer, bon, l'hôpital de La Réole, il n'y a pratiquement plus de service, mais ils veulent surtout supprimer l'hôpital de Langon, qui est l'hôpital vraiment de Sud-Gironde. Ils veulent faire une sorte de lien Bordeaux-Libourne, peut-être même Arcachon. Et donc, ce qui veut dire que tous les gens du coin devront aller soit à Bordeaux, soit à Libourne, s'ils ont des urgences, ils ont le temps de passer de l'autre côté. Bien sûr, oui. Donc, il y a des thèmes comme la santé. Nous aussi, il y a les compteurs Linky. On sait très bien que ces compteurs sont imposés alors qu'ils représentent un danger pour la santé. Il y a beaucoup d'autres thèmes, la ruralité bien sûr. Nous avons donc ici des affiches contre le glyphosate, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un lien bien sûr évident entre ruralité et protection du climat, puisque ce qu'il faut, c'est, comme on le démontre dans l'avenir en commun, c'est une autre politique agricole. Opposé évidemment au productivisme sauvage libéral qu'on veut nous imposer. Et c'est le glyphosate, c'est le danger, je parlais de la santé, donc pour les gens qui travaillent, pour les paysans qui utilisent le glyphosate, mais aussi bien sûr le danger pour les gens qui consomment les aliments qui ont été traités au glyphosate, et surtout pour la disparition des aliments, puisqu'on sait que le glyphosate est un tueur d'abeilles. Donc ici on a, donc, je ne sais pas si vous avez déjà pris des affiches, mais on a donc des affiches sur le glyphosate, sur Fukushima bien sûr, puisqu'on s'oppose bien sûr aussi au nucléaire, alors que la France, les propositions maintenant de la France sur le nucléaire, c'est dans 2035, c'est réduire de 50% le nucléaire, alors qu'on sait très bien, c'est pour ça qu'il y a des affiches de Fukushima, le danger que représente le nucléaire. Nos politiques ont l'air de ne pas le comprendre, donc c'est à nous à prendre en main, à essayer au niveau local, à essayer à notre niveau de faire prendre conscience aux gens que c'est possible, parce qu'on a un peu demandé aux gens et ils nous disent mais on ne peut plus rien faire, c'est trop tard, on a trop attendu. Non, il y a encore la possibilité, il y a encore 700 scientifiques qui ont dit que c'était encore possible, mais il faut se prendre en main dès maintenant. Et nous ici, au niveau, je parlais des Linky, au niveau des Linky, on a fait, au niveau de la commune de La Réole, on a fait une pétition qu'on fait signer aux gens, on a des signatures, pour s'opposer à la pose des Linky. Alors notre argument, ce n'est pas contre Linky, même si on a stop Linky, mais c'est nous avons nos compteurs, nos compteurs fonctionnent bien. Ceux qui veulent le Linky, ils le demandent à la mairie, mais nous demandons au maire de La Réole, à M. Bruno Marty, de s'opposer, de nous protéger en tant que maire, et de s'opposer en tant que propriétaire à la destruction de nos anciens compteurs pour installer de nouveaux compteurs. Voilà. On a essayé de faire un bilan un peu de tout ce qui ne fonctionne pas au niveau local ou tout ce qu'on pourrait faire au niveau local.
Merci. Voilà. Et au nom de la Française Soudiste, puisqu'on est Française Soudiste. Bien sûr. Merci à vous.